vos marques, prêts, partez. Oh, bon, quand il faut y aller. C'est ça, une bonne petite foulée. Il a dit une petite foulée, c'est ça? On déroule le sabot et on lève bien les genoux. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein? Oh. Ça va? Vous voulez de l'aide? Oh, sauvez-moi. Vous sauvez de quoi? On continue encore un peu, ensuite on tournera à gauche. Puis on rentrera à la maison pour faire une vraie séance de gym. Quoi? Qu'est-ce que tu... Arrête de bouger! Attention derrière toi! Oh! À l'aide! T'es en train de transpirer sur moi! Hein? Xavier, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est rien, ma chérie. Zoroastre a juste besoin de se reposer un peu. Oh, bonjour, Zoroastre. Je dois avouer qu'avoir des gens qui s'asseyent par terre dans notre boutique n'est pas très engageant pour la clientèle. Désolée, je peux pas me lever. Quoi? On est presque arrivé. Très bien. Continuez. Oui. Très bien, Poc. Et on souffle. Maintenant, nous allons... Hein? Mais... Maman? Où sont-ils passés? Oh, j'ai peut-être couru trop vite pour eux. Maman, c'était trop dur pour un premier entraînement. C'était qu'un petit jogging, mais... Et s'il leur était arrivé quelque chose? Ne crains rien, Zou, je suis sûre qu'ils vont bien. On peut revenir sur nos pas si tu veux, on finira certainement par les retrouver. D'accord. Voilà, et reviens nous voir bientôt. En revanche, la prochaine fois, essaie d'être un peu mieux habillée. Ce n'est pas une salle de gym, c'est un établissement distingué. Oh, Zoroastre! Oh, je me suis juste arrêtée chez Monsieur Zoé pour... enfin, pour... Faire une pause, hein? Faire une pause? Je... Oui. Moi aussi. J'étais chez Xavier et Zelda. Ah, vous voilà! Oh, non, on ne veut plus d'entraînement, pitié! Je suis désolée. Je crois que j'y suis allée un peu fort. Je n'aurais pas dû commencer par une course. Vous n'êtes pas très en forme. Pas en forme? Moi? Nous sommes aussi en forme que deux artistes peuvent l'être. N'ai-je pas raison, Zoroastre? Tout à fait raison. Dans ce cas, vous viendrez à la prochaine leçon de Zou avec plaisir, j'imagine. Ne craignez rien. J'irai plus doucement la prochaine fois, je vous le promets. Oui. Il faut d'abord apprendre à marcher avant de courir. Tu ne crois pas, mon Zou? Si. J'ai une idée, maman. Si mon entraînement est plus doux... Peut-être que d'autres personnes voudront rejoindre mon cours. Excellente idée, chérie.